Ok, je suis avec Daniel Boucher. Daniel, salut. On a passé 4 jours au Festival de musique Bout du Monde. Et de Montréal, Daniel avait fait une première capsule pour inviter le monde à Gaspé. Hey, le monde est venu. Oui, le monde est venu. Beaucoup, en fait. Le monde n'est pas seulement venu, mais le monde a participé. Ouais. Le monde a habité. Et le monde a vécu et fait ce festival-là, parce que le festival de musique du bout du monde, là, c'est la première fois que je viens ici. C'est la 8e édition cette année. C'est vieux quand même. Je ne sais pas comment ça s'est passé les autres années, mais cette année, je peux te dire que le festival, c'était pas juste des spectacles. Non, non. Ça se passait pas juste sur stage. Ça s'est passé dans la salle aussi. Dans la rue, dans la rue. Dans la rue. Avec des animations, avec du théâtre de rue, avec Du tai chi à 11h, c'est pas du tai chi, des ateliers de danse. Mais ce que je voulais te dire, c'est que les festivaliers ont autant fait de festivals que les artistes. Que les artistes. Okay. C'est ça qui m'a surpris. Je pensais pas, moi, qu'à Gaspé, premièrement, il y avait autant de monde qui vivait ici que venait d'ailleurs. Ouais. Des Sud-Américains. C'est des gens partout qui vivent à Gaspé qui sont super intégrés ici, qui ont appris le français avec mon nom, qui sont heureux, qui sont pas des amis, qui sont appréciés, qui enrichissent la vie. Je suis surpris. Et en plus, c'est un festival de musique du bout du monde. Ouais. Et le nombre de femmes enceintes ici, il se passe de quoi, je m'explique, là. Il y a comme un changement de génération. Et tous les artistes qui viennent d'ailleurs habitués dans le créneau de musique du nouveau monde. Il me dit, il se passe de quoi, l'esprit, là. Oui. Le monde est ouvert. Oui, le monde est explique ça. Internet a-tu pas à voir après? Probablement que ça contribue à. En conscience de ce qui se passe ailleurs sur la planète, évidemment, comme partout. Mais j'avoue que moi-même, je suis surpris. Ouais. Moi, j'ai une maison à Mont-Louis, qui est un petit village, peut-être à 2 heures ici, sur la route, en haut de Gaspésie. Je viens à Gaspé de temps en temps. Mais j'avoue que je suis surpris. J'ai pas eu de quoi de voir. Non seulement la quantité de gens qui est ici, mais. Le style de personne. Je pensais pas que c'est un festival de. Heureux, surpris, heureux, au-delà de ce que j'espérais. Ah ouais? Mais oui! Il s'est investi là-dedans. Il était animateur lors des spectacles. Il a filmé des capsules vidéo avec son petit gars sur les épaules. Il était bon pendant ça. Hier soir, les gens l'ont fait prendre des gars. Ouais. Il était content. Tu sais, il était content. Ouais, parce que là, quand tu es dans le petit corps, tu es toujours impliqué dans ce que ton père fait, ta mère fait. Ça donne beaucoup de fierté, puis ça te rapproche. Comment on peut faire? Comment on peut demander au monde de rester en contact avec la gang à Gaspé d'ici la prochaine édition ou l'année prochaine? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'intéresser à ce qui se passe ici? Écoute, je sais que le festival a un site internet. Oui. Je ne sais pas à quel point les gens du festival interagissent. C'est un début. Ça commence, je peux t'en parler de ça. Mais tant mieux. Ouais. Ensuite, il est bien référencé. Hein? Quand on cherche des artistes, quand on cherche le festival, on va trouver quelque chose. Ouais. Évidemment, on peut écouter les artistes qui sont venus ici. Oui. Ils sont tous sur le site. Il y a des belles découvertes. Hein? Lev Voidbeck ce matin. T'étais là, toi? À 5h du matin. J'ai payé. C'était quelque chose. Vous irez lire le billet d'ailleurs que j'ai écrit. Même Lev Voidbeck lui-même a pas quoi. Écoute, on arrête ça ici. Les gens pourront mettre leur petit commentaire, okay. Poser des questions. Okay. Puis je te refilerai ça s'il y en a qui t'interpellent et qui veulent répondre. Je veux juste dire là, vas-y. Que. Là, aujourd'hui, on est le 14 août. Là. Le festival est sur le point de finir. Voilà. Mais il va en avoir un autre l'année prochaine. Il faut être là. En fin de semaine, c'était la place à être. À être. Ça Gaspé. Festival Musique du Bout du Monde. Simplement.